Abonnez-vous à Yayay sur Icoville TV. Maman a participé à l'encadrement et pas à un bébé. Bébé, elle a commis maman, mon yembi. Elle a tout yembi, ma si, elle est le leader de la vie. C'est tout ça, les cœurs. Ah, c'est tout ce pays de ma classe, vraiment. Kumama yawenangai, papa la lole. Kumama yawenangai, kumama yawenangai, yawenangai, papa la lole. Kumama yawenanga, kumama koya u papa la kumama yawenanga. Niwa ya Yesu na nyambi malika kose kwa kumama yawenanga. Kuna na lili tabachaki li banga monene kumama yawenanga. Mokolo ya kose kwa abimara pete yawenanga kumama yawenanga. Amna yungira yote pona nini zambe papa la kumama yawenanga. Kumama yawenanga. Kumama yawenanga, kumama yawenanga, kumama yawenanga, papa nalole, kumama yawenanga, kumama. Nakoki nakomi tungisa te. Na yebi nyonso Yesu azali akosimba bomoi na ngai lobiko nange ezali na Yesu aye aye lobiko na biso ezali kati na Yesu soki tomipesi na ye tokomona kembo na masia ndekolo biko na yo ezali wapi opesi yango na banganga opesi yango na kindoki oyo yanga ezali na Yesu aye. On écoutera désormais cette belle voix qui est dans les différents supports, car elle ne chantera plus en live ici sur Terre, mais la sœur chantera désormais avec les anges. La sœur Lissikunda nous a quittés cette nuit. Infirmière de formation et chantre gospel à côté de ses sœurs Peggy et Ellie, mariée et maman. Nous avons grandi en écoutant leur musique. Elle était parmi les pionnières de l'industrie gospel de notre pays. Le Kunda Sister est un trio de sœurs qui évolue dans la musique gospel depuis plus de 30 ans, composé de Peggy, Lucie et Ellie. Encouragés par leur père qui était diacre dans l'église protestante dans la commune de Matete, elles chantent depuis leur tendre jeunesse pour Christ et après elles ont entamé une carrière musicale professionnelle. Elles nous ont bénis avec des chansons telles que « Ya solo, Jésus et tu es mon sauveur, je veux tout casser, Massia et Longananga » et tant d'autres. Un répertoire riche en mélodies, d'où est venu le nom de Kunda Sister. Invité lors d'une cérémonie organisée par l'église protestante. À l'époque, elles étaient trop jeunes. La musique était une passion. Elles chantaient partout où elles étaient invitées et ne pensaient même pas à donner un nom à ces groupes. Et au moment de monter sur la scène, le MC annonça, je vous présente le Kunda Sister. Et comme elles étaient élèves, elles savaient que Sister était en anglais et ça signifiait sœur. C'est pour cela elles ont adopté ces noms-là. Depuis quelques années, on ne voit plus que deux sœurs. La troisième, la sœur Ellie Kunda, ne vit plus au Congo, elle vit en Afrique du Sud. Je ne sais pas si elle est toujours en Afrique du Sud, mais quand elle partait rejoindre son mari en Afrique du Sud, que l'âme de notre sœur Lissikunda Kunda repose en paix. Nakoki nakomi tungisa te, na yebi nyonso Yesu azali, akosimba bomoi na ngai.
lobiko nange zali na Yesu. Aye aye lobiko nabiso ezali kati na Yesu. Soki to mi pesi na ye to komona kembo na masia. Ndeko lobiko na yo ezali wapi? Opesi yango na banganga, opesi yango na kindoki, oyo yanga ezali na Yesu. Aye. On écoutera désormais cette belle voix qui est dans le différent support, car elle ne chantera plus en live ici sur terre, mais la sœur chantera désormais avec les anges. La sœur Lissikunda nous a quittés cette nuit. Infirmière de formation et chanteuse gospel à côté de ses sœurs Peggy et Ellie, mariée et maman. Nous avons grandi en écoutant leur musique. Elle était parmi les pionnières de l'industrie gospel de notre pays. Le Kunda Sister est un trio de sœurs qui évolue dans la musique gospel depuis plus de 30 ans, composé de Peggy, Lucie et Ellie. Encouragés par leur père qui était diacre dans l'église protestante dans la commune de Matete, elles chantent depuis leur tendre jeunesse pour Christ, et après, elles ont entamé une carrière musicale professionnelle. Elles nous ont bénis avec des chansons telles que « Ya solo, Jésus, et tu es mon sauveur, je veux tout casser, Masia et Longananga » et tant d'autres. Un répertoire riche en mélodies, d'où est venu le nom de Kunda Sister. Invité lors d'une cérémonie organisée par l'église protestante. À l'époque, elles étaient trop jeunes. La musique était une passion. Elles chantaient partout où elles étaient invitées et ne pensaient même pas à donner un nom à ces groupes. Et au moment de monter sur la scène, le MC annonça, je vous présente le Kunda Sister. Et comme elles étaient élèves, elles savaient que Sister était en anglais et ça signifiait sœur. C'est pour cela elles ont adopté ces noms-là. Depuis quelques années, on ne voit plus que deux sœurs. La troisième, la sœur Ellie Kunda, ne vit plus au Congo, elle vit en Afrique du Sud. Je ne sais pas si elle est toujours en Afrique du Sud, mais quand elle partait rejoindre son mari en Afrique du Sud, que l'âme de notre sœur Lissikunda repose en paix. Un jour sur le chemin, je marchais. Un jour sur le chemin, je marchais. Voilà, mais j'entendis une voix qui venait du ciel. Oh, quelle gloire ces jours-là, quand il me sauva. Oh, oh, oh. Abonnez-vous à Yaya sur Ecoville TV.